Bienvenue à nouveau pour Ori and the Blind Forest, second épisode. Dans le premier épisode, on avait eu un petit peu de mal à avancer au début, mais bon, après, on a pris un peu plus les contrôles en main. Nous avons pour mission d'aller trouver l'arbre Ginzo pour rallumer la lumière de notre papa, de papouner l'arbre. Hein. Donc, on va essayer de faire ça proprement. De toute façon un peu moins ridicule. Alors est-ce qu'on peut monter là-bas? Non. J'ai pas vu un passage à droite. Si. Non, il va falloir repousser le rocher. Là. On reste pas coincé. Hop, 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 ça passe, c'est bon. Ça passe pas, c'est pas bon. Alors, jusqu'ici, tout va bien. Je suis sûr que c'était complètement le moyen de passer. Un guémon des ruines éplorées. Nous devons le suivre pour qu'il reprenne, pour lui reprendre ce qu'il a volé. Petite save qui va nous éviter pas mal de dégâts, je pense. Je veux dire que c'est le bruit qui posait pas trop de problèmes, et évidemment, c'est à ce moment-là que je me fais toucher. Voici mon passage qui est pour l'instant fermé. Là-bas, un peu d'expérience, ça se prend. Ces trous m'inspirent moyennement confiance. Et là-bas, c'est trop loin. Ah oui, bon. Je comprends mieux. Quand on gagne un point de compétence, peut-être qu'on détruit les ennemis dans la zone. Je peux pas le casser, c'est le corps. Je pense que c'est un peu suffisant, mais apparemment non. Le ménage est bien fait, par contre il nous reste encore une fois plus de 3 points de vie. Mais il est où José Little? Bon, il a l'air de beaucoup mieux maîtriser le gameplay que nous. Qu'est-ce que je disais? Calme-toi, Raoul.
grotte, c'est énième. Pour l'instant, le marais, on peut pas trop y accéder, je pense. On va essayer de retrouver le gumon. Ok, la plupart des trucs me one-shot, j'ai l'impression. Des trucs même one shot, même avec le mode difficile. Le mode difficile est pas là pour déconner. Alors, est-ce qu'on peut passer? Ori, non. Je regarde. On va pouvoir le côté pour l'instant. Ce pouvoir. Nous voulons pas trop avancer. Je sais pas qu'il y aura le crapaud qui sera autour, non. Qu'est-ce que je rate? Ok, non. Là-bas, je peux pas le casser. Je suis sûr que c'est devant mon nez depuis tout à l'heure et que je le rate. C'est ridicule. En avant-plan. Est-ce qu'on a un passage alternatif? Une espèce de gros chewing-gum qui me barre la route, du coup. Décidément. Sérieux? Enfin, ça veut pas ça. Évidemment, j'ai plus de points de sauvegarde disponibles. Hein.
parce que sinon ce serait pas drôle. Direct ça one shot, par contre pour le push ça fait qu'un point de dégâts. On va savoir. Alors, si là-bas un moyen de remonter, c'est cool. Je crois que de l'autre côté on pouvait pas vraiment attendre ce qui était. Ouais. À moins qu'ici on puisse. Non, pas comme ça en tout cas. Bon, tout ça pour un autre point de compétence. Un petit peu déçu. Du coup, qu'est-ce qu'on peut refaire? On peut essayer de remonter. On va faire le tour là-bas, ça nous arrange pas. Je pense qu'il faut bien suivre Pedro Lito, mais... Je crois qu'on a pas essayé de pousser... J'avais oublié ça. Alors, si vous les mettez tous. Ce petit coup de chance. Ah putain, j'ai pas ça regardé. Ce petit coup de chance me dit que. Ça simplifie la chose. Ok. Bon, je remercie le pinball qui m'a fait le training. On va après utiliser les crashers de boulettes pour détruire les choses qui nous embêtent. Être fastidieux et l'occasion de beaucoup rigoler en me voyant mourir. Je suis sûr que vous êtes content là, à regarder un streamer à la qualité douteuse alors que vous pourriez aller voir des vrais professionnels, des gens avec un vrai talent. Jouer à des jeux récents. Crever en plus avec ces différents. Ça m'arrange pas ton truc. Alors on va essayer de rejoindre notre direction sans crever en route, ce qui n'est pas du tout garanti. Jusqu'ici ça va. Toi t'as pas repop, c'est très bien, très très bien. Et alors là ça va être l'éclate. Wow, c'est pas passé. On va laisser regarder là-bas. Ah, de quoi nous faire un point de sauvegarde, c'est même encore mieux. Alors, on va voilà. On sort le roi des énigmes, hein. Ok, donc le laser de l'enfer, c'est bien noté.
On était presque. L'étoile de la mort dans cette forêt. J'étais un peu lent sur le passage. Ça, bien sûr, voilà. C'est des pics. C'est ballot. Au minimum 2 points de dégâts, donc plutôt embêtant. C'est pas du luxe. Il continue sa descente vers le... les bas-fonds de la forêt. De points de dégâts de base. En avoir 5, ça va être pas tant que ça. Ok. Heureusement que les petites cutscenes sont assez rapides, parce que sinon ça devient vite agaçant. Magnifique. J'espère que vous appréciez le talent et la capacité à se jeter sur les dangers. Bon, après c'est tenté le diable, on va crever si on tente comme ça. Safe. Ok. Un portail qu'on peut enfin ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? À la gauche, en tout cas, il y a pas mal de bestioles. Là où ça va être le retour. Et je suis à peu près sûr que l'eau, elle est pas très sympa. Merci. Évidemment.
sérieux, j'avais appuyé. Fragment de carte. Excusez-moi, je travaille une bonne vieille toux depuis quelques temps. J'arrive pas à me débarrasser. Trop vite. On va aller beaucoup trop vite. Ok. Ok. Bon. Je suis un boss, justement. Bim! Ouais, non, c'était pas trop tôt. Ce serait bien de pouvoir s'attarder. Alors, une clé. Donc, quand même, attendons de sauvegarder et d'être dans un peu mieux. Je crois que la descente était fastidieuse, la remontée va être pire. On va en profiter pour acheter un point de compétence. La création de lien d'âme. Récupérer un point de vitalité, c'est pas mal. Alors. Moins de 12 essais pour remonter, je suis presque surpris. Ok, alors... une espèce de truc ici... un peu de puissance, où ça se prend. Peut-être quelque chose en haut, non. Réussi à me prendre un point de dégâts. Ok, il nous manque un deuxième fragment de clé. Ouais, d'accord. Alors là, je sors de la boîte du tout. Ok, il est là-bas. C'est bien ce qui me semblait. Caché. Il y a pas un truc de carte qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Après, il faut donner pour l'instant. On a le fragment, on va le garder pour le moment. Alors, ça, je le sens tellement mal ce passage. Ouais, bravo les réflexes. Deux débiles.
ça. Ok. Ah, j'ai plus l'âge d'avoir des vrais réflexes. Hein. Maintenant, je vois plus qu'à moitié. J'oublie une fois sur deux d'appuyer. Et après, je mets tout sur le dos du jeu. Par contre, la zone d'impact de celui-là, elle est assez large. Hein. Un arbre ancestral, les rues, j'ai ici même. Elle était leste, agile, elle savait fendre l'air. Tu maîtrises le double saut, appuie sur A pour bondir dans les airs, puis à nouveau sur A pour sauter encore plus haut. Peut-être qu'on fasse des erreurs sur les parties plateforme. Encore lui. Je retire ce que j'ai dit. Ça ne passe rien en fait que je sois un gros mauvais. Ce que je pensais. Donc il y a un passage vers le haut là, auquel on peut accéder par la droite, et après il va falloir partir sur la gauche, je pense, puisqu'avec le double saut, on va pouvoir passer vers ranger de pics de gauche. Une cellule d'énergie, très bien. Une bonne surprise en redescendant. Ok, il y a lui là-haut. Il y a quelque chose par là. Visiblement non. Thank you.
chiffré celui-là. Le gros kaboom. Pas du tout inquiétant. Après, je pense qu'on peut atteindre de l'autre côté. Facile. Bon, sympa les décors en avant, mais il est un petit peu chiant. L'idée était bonne, la réalisation beaucoup moins. Ça le tue, c'est ça? Où est-ce qu'on en est? Là-bas, il y a une porte avec 4 morceaux. Ce que nous n'avons pas du tout, si mes souvenirs sont exacts. Ça sent le piège à con, donc on va foncer dedans. Le passage là-bas. On peut rechercher sur la gauche. Ça ne passe pas. Ça a exploré un peu tout à l'heure. J'espère que vous êtes aussi patient que moi. Sinon, dites-vous faire chier, je vous le dis tout de suite. Est vraiment millimétré de chez millimétré.
pouvait rentrer là-bas. Ouais, des façons de tourner. Je me concentre et je me lève à l'eau. Ok, mais du coup, ouais, ça me semble quand même pas mal à gauche cette histoire. Ça ressemble presque au retour de l'autre côté en fait. Abruti. Autant j'ai galéré tout à l'heure que là j'ai eu du premier coup. Allez, on y croit, motivé, détendu. Cette fois-ci, on se la fait sans mourir. Là, pas si dur quand même. Ah, ok. Pas un point de. Un moyen de récupérer un peu d'énergie. Ah, il va falloir trouver de l'énergie puisque le point de sauvegarde est quand même vachement loin. J'ai tendance à mourir très souvent. Les premiers coups, là, on va passer 2 heures à essayer de les revoir. Alors. Parlons peu et parlons bien. Donc, du coup. Est-ce qu'il y a un moyen que je passe par là? Je ne sais pas. Faut-il d'ailleurs passer par là ou... C'est étendu et ça ne sert à rien. Super. Ok. Ensuite, la suite d'Ori and the Blind Forest. Ça n'avance à rien tout ça. Donc là, il y avait le rayon laser de la mort. Là-bas, on creve dans les pics. Bon, bon. Oh mon dieu! Il a eu pitié de moi. Ah, on ici, c'est une vitrage une déconvenue. Je sens qu'il y a une possibilité de se le faire sur le passage. Il faut bien ajuster son saut, ce qui n'est pas du tout mon cas.
en tout cas, c'est faisable. Mais non, il n'y a plus qu'à le faire tomber, quand même. Ces 45 tentatives précédentes n'auront pas été vaines. Je devrais mettre un compteur de morts comme dans Dark Souls. Je suis sûr que ça vous avait manqué. Ok, alors hop. J'étais pas encore mort, mais si j'arrêtais de me gratter le pif, ça irait bien. Presque facile. Presque. Ok, donc quand on gagne un point, ça élimine tous les ennemis d'un point. C'est bon, ça va. Trois points de compétence. Réduit de moitié le coût de flammatiser. Efficacité vitale. Bonus de vitalité récupéré octroie deux fois plus de vitalité. Donc deux points de vie au lieu d'un. Augmente la puissance de la flamme spirituelle. Augmenter les dégâts parce qu'on galère un petit peu avec les mobs pour l'instant. Les plus gros éclats. Il est un peu relou le monsieur. Oui, bien sûr. Magnifique timing, hein. Les amateurs apprécieront. Bon, en plus ça tombe bien, je suis un mec super patient, donc... Ça va bien se passer. On arrive à l'eau. On est trop gentil, on l'aide. Alors qu'il nous a bien fait chier pendant 20 minutes. Au moins. Tu as retrouvé la source. Cette gemme antique va te permettre d'entrer dans l'arbre de Ginzo. Souviens-toi, l'élément des eaux se trouve à la cime de l'arbre de Ginzo. Nous ferons à nouveau jaillir l'eau. Retournez-y vite. Si vous y voyez une métaphore phallique, vous êtes un gros pervers. Je l'ai vu. Alors... Par la baie de l'eau, bon, on n'avait pas exploré par là plus que ça.
C'était quoi ça? Oui, c'était le point de sauvegarde. Bon, on va voir ce qui se passe à gauche. Ça a l'air optionnel et donc ça peut être que passionnant. Non. Ok, donc Ori ne nage pas très bien. Monter par là, ça serait trop simple. Voilà, un passage un peu propre. On peut dire sur les lits. La prochaine fois, je donnerai pas mon avis. Visiblement, je joue contre moi-même. Mieux en mieux. Non, parce que alors, tous ces points de vie, c'est un petit peu surévalué. Hein. Ces fioutes limaces m'agacent. C'était pas fastidieux encore une fois. Alors, on va essayer de remonter dans l'arbre Ginzo. Où est-ce qu'on est? Ok. Très bien. Pouvoir s'établir un petit point de sauvegarde là. Pour la santé, attention là. Ok, donc un kamikaze qui prend. Alors, on va pouvoir accéder à grand chose, je pense, dans l'immédiat. Ça, je l'avais pas vu. Encore le panicaz. Bien sûr, on avait oublié, mais on verra ce que ça fait. Si au bout d'un moment ça vous donne pas envie de déraciner des arbres et de tuer des bébés phoques, je sais pas ce qu'il faut. On a un point de sauvegarde là-haut si je vois bien.
flamme ambiante, on va pouvoir le foutre en dessous. Mais nous en débarrasser. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de s'en débarrasser? Je suis pas sûr. Est-ce qu'on avait vraiment intérêt à le détruire vu qu'on sait pas nager? Probablement pas. On fait une petite sauvegarde ici. On en a 53 minutes, on a encore un petit peu de temps. Où est-ce qu'on en est? Oui, ça, ça sentait le passage secret, c'était sûr. Là-bas. Un. Il manque encore un. Super. Là. On saura que par là, c'est non. Passer par en haut. Oh, on a une orbe d'énergie si je veux bien. Cellule d'énergie. Oh, est-ce qu'on peut ouvrir du coup la porte qui est là-bas? C'est celle que je viens de consommer? Je pense que non, évidemment. Petit corniche. On va bien pour la suite et pour remonter. Je vais reprendre, passer par là. Un truc. Ah, non. Tu as trouvé un gigantesque brasier de lumière spirituelle. Ta jauge s'est remplie de lumière spirituelle, trouve-en un autre pour obtenir des points de compétence plus rapidement. Très bien. Un gros bonus d'XP. Ça fait plaisir. J'avais oublié ça.
chose. Ah, ça, je l'ai enlevé. Millimitrer son saut, ce qui n'est pas ma spécialité, comme vous avez pu vous en rendre compte. Et on rejoint cet endroit-là. C'est pas plus mal, ça nous fait un bon raccourci. On a gagné un point de compétence au passage, c'est parfait. Ça nous fera une fin d'épisode. Plein de suspense et de questions comme arrivera-t-il un jour à être un joueur correct de platformer, Ori, est-ce que c'est si dur que ça ou est-ce qu'il est vraiment mauvais, enfin, tout le genre de questions que vous posez au quotidien bien sûr. Ok, bon ben nous y allons. Encore une très belle animation. Arbre de Ginzo. Les eaux de Nibel se déversaient autrefois de cet arbre. Mais le voici désormais mort et creux. Pour qu'à nouveau jaillisse l'eau, il nous faut retrouver le cœur de l'arbre Ginzo. Et ben on va sauvegarder ici, et c'est bien pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine fois. Si vous avez souffert jusqu'ici, n'hésitez pas à commenter, aimer, partager, ou alors à m'insulter dans les commentaires, hein. je le prendrai pas plus mal que ça, probablement. Et je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Salut, merci à tous.